violente. À ton sonore. Coucou. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est grave contents de retrouver pour une dégustation et plus précisément celle qui perd bois. Alors, je pense que vous devez tous connaître ce concept. Nous avons de l'alcool. C'est oh là là, pas un smoothie quoi, c'est de l'alcool avec modération, mes amis. Et on a des petits verres ici. Et en fait, à chaque fois, on va déguster à l'aveugle des produits américains qui viennent tout de suite My American Shop. Là, vous allez être en train de voir le close-up. Il y a du sucré, il y a du salé, il y a des épiceries asiatiques américaines sur le site. Et en plus, j'ai un code promo de moi. Waouh, trop bien. C'est une 20 en majuscule et le site est en barre d'infos. N'hésitez pas à vous faire plaisir si vous êtes des gourmands. Allez sur le site, il y a vraiment de la diversité. C'est parti. Du coup, là, elle va piocher à l'aveugle. Un truc à boire. Une boisson, ok, d'accord. On va l'ouvrir, on va te mettre dans un verre et tu vas dîner ce que c'est. T'es prête, ma petite Laure? Je suis prête. Tu vas jamais dîner. Non. Une deuxième chance. Vanille. Non. Regarde, en fait, c'est une bière Harry Potter et c'est à base de caramel. Ah, oh, caramel. Ah, ouais. Elle doit boire de l'alcool. Génial, ça commence bien. Allez, tiens, ma petite Laure, va boire. Allez, c'est parti. Mais t'en as mis beaucoup, Loan, hein. Quand même, là, c'est plus sec. Hein. C'est des gros qui sec. Ah, c'est pas bon. Bon, allez, du coup, toi, ferme tes yeux. Tu pioches dans le carton. Ok, alors du coup les amis, je pense que vous devez connaître. Enfin, j'en ai déjà dégusté sur mon TikTok, mais c'est pas quasiment les mêmes. C'est facile ça. Ouais, tu crois? Ouais. C'est au fromage. Hein. Oh là, bon. C'est les Goldfish. Ça c'est trop bien. Il existe plusieurs goûts sur le site, donc n'hésitez pas à les voir. À moi, tu fermes les yeux. Ça. Ok, j'avais jamais trouvé. Bah non, clairement, parce que même moi je sais même pas ce que c'est. Bonne chance pour trouver. Hein. Oignon. Non, bah oui, non, en fait. En vrai, je sais pas. Je pense que dedans il y a de l'oignon pour être honnête. Au barbecue. Bah c'est super bon ça, c'est ouais. Super sympa. Et bah nickel, tu bois de l'alcool. Il faut en mettre un tout petit peu, là, ça c'est pur. Hein. Moi j'ai fait cul sec. Ouais, t'as fait cul sec toi. Mais c'est pas grave, des manières. Allez ma petite Laure, ferme tes yeux. Allez, c'est parti. Continue avec toi. Ça, là c'est sûr que c'est des chips. Bacon. Non. Fromage. Bien. Ouais. C'est au fromage et au ketchup. Ouais. Donc c'est super sympa. Et comme je vous ai dit, le paquet il est vraiment rempli jusqu'en haut. Donc My American Shop, c'est ça que j'aime sur le site. C'est des paquets qui sont vraiment remplis jusqu'au bout. Ah, tu sais, c'est les trucs américains, tous les trucs américains, ouais. Hein, c'est paradin. Et c'est ouh. Ah ouais, c'est XXL toujours. Donc c'est bien, c'est beaucoup. Allez les amis. Ça. Alors je sais pas si elle va réussir à deviner. C'est bon. Chocolat et marshmallow. Comment tu sais ça? J'en ai vu un. La vie que je l'ai même pas vu, ça a le goût de marshmallow. J'aurais jamais deviné moi. Bon, au moins du coup elle boit pas, franchement je suis choquée. Moi jamais j'aurais imaginé, en plus je connaissais pas du tout. Très bonne découverte. Vraiment je connaissais pas et c'est vrai que le mélange du charmallow avec chocolat, moi j'adore. Aïe aïe au fond. C'est quoi ça? Ouh, c'est quoi? Ça a l'air d'être bon. Oh là, ouais. Regardez comment c'est vraiment trop beau à l'intérieur. Allez, je te donne une cuillère, Yolande. Alors, déjà, il y a des petits grains. C'est au caramel et au chocolat. Non. Non. C'est pas Snickers. Non. C'est M&M's. Non. Si c'est M&M's, c'est pas le cas. Honnêtement, c'est super original. Je n'ai vraiment jamais vu en boutique. Tu vois, tu vas boire du rhum pour changer. Allez, cuit sec. On paye 5 balles pour ça. Ça pique à la gorge. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Ça, c'est la base des bases. Sur My American Shop, il y a énormément ce style de produit. Pour ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, moi j'adore. Je suis trop nulle. Tu connais pas? Caramel, non? Non. Popcorn? Non. Au chocolat et au marshmallow. Tu connais pas ces cercles? Ah, super connu. C'est méga connu en Amérique. En fait, il y a du chocolat et les petits bouts là, c'est des arc-en-ciel et tout, c'est à base de marshmallow quoi. Et ben, tu vas boire. Bon, on a un deuxième style de rhum. Il y en a quasiment tout dans la bouteille. Allez, ferme tes yeux. Ça. Alors ça les amis, qui ne connaît pas, c'est super facile à deviner. Tiens, tu connais toi? Non. C'est des bonbons? Attends, je crois que c'est les... c'est pas les oursons? Si. C'est super. Alors les bonbons, c'est hyper acide du lait. Alors c'est nounours, ouais. C'est mes bonbons préférés américains. Parce que vraiment ils sont très très acides. Et les goûts ils sont hyper prononcés. Je les kiffe. Ah Yolande. Oh ça. Oh des Skittles. Ouais. Bien. Mais c'est des Skittles vraiment très très bon. Et je pense qu'il y a différentes sortes. Là c'est les Crazy Sours. Des Pringles. Oh là là, je connaissais pas du tout, c'est compliqué. Hein. Super sympa. Bah moi je trouve que c'est un truc dur. Hein. J'ai pas de chance. C'est très très bon. Vraiment, ça te prend en bouche, c'est un truc de fou. Pizza. Non. Non. Ah je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu peux ouvrir les yeux, c'est cocktail, donc tout ce qui est crevettes et tout. J'ai l'impression que ça a le goût de ketchup. Ah un petit peu. Et ben écoute, tu vas boire. Encore. Et ouais. Ça va être bourré. Oh c'est dégueu. Ça c'est une tablette de chocolat en direct. Ok, hyper connu. Est-ce que tu connais? Pas du tout. Ça permet de découvrir. Ouais c'est bien. Alors ça c'est hyper connu en Amérique mais vraiment très très connu. Et ça se vend depuis des années. Tu vas voir, si tu veux tu peux goûter aussi. Alors je crois que c'est la tablette de chocolat avec tu sais du blé à l'intérieur. Je sais plus c'est quoi la marque. Mais il me semble que c'est une palette de chocolat noir. Attends, il y a deux sortes de blé. Non, c'est pas précis. Non, et ben je sais pas. Oh, c'est des Hershey's. Ouais, je vois pas. C'est cookie and cream.
Et c'est trop cool parce que sur le site justement ils vendent plein de plaques de chocolat comme ça différentes au niveau bouffe. Donc ça c'est vraiment cool sur le site My American Shop. Ouais. Allez. Stop. Non. Arrête. Allez, vous êtes prêts les gars. Oh vas-y, on en pioche. Je pense sur ça, c'est une bouteille. Faut savoir que sur un My American Shop, il y a énormément de boissons avec plein de goûts super atypiques que tu trouves archi pas en France. Donc oh, c'est vrai que pour deviner, ça va être un petit peu compliqué. Regarde ça, ça. Ah ouais, heureusement, j'ai pas pris ça, j'aime pas du tout comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Un poco. Un poquito. Oh, oh, c'est trop bon. C'est orange. Non, c'est pas orange du tout. Non. Bah c'est agrume quoi, donc c'est... Non, c'est même pas agrume. Tu peux goûter. Vas-y. Alors ça c'est du Fanta. Ouais. Oh bien ouais. Et après le goût est au citron. Non pas non, du tout. C'est à la mangue. C'est à la mangue. Ça parle de mangue. Ok, alors en fait on a l'impression que c'est de l'agrume parce que c'est pétillant. Eh ben écoute, tu vas voir. Allez, c'est parti. C'est parti. On va faire goûter le rhum ambré. Un tout petit peu s'il te plaît. Parce que Lona elle appuie sur les doses. Stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, on prend la manette Marion. 1, 2, 3. Oh, il est fort. Allez ma petite Laure, tu fermes les yeux. Allez à toi. Vous retrouvez encore. Et ouais. Oh, elles font que sur les trucs qui parlent d'haleine. Bah meuf, clairement tu as jamais dîné. Limite tu fais exprès que je bois. Donc t'es prête Laure? Je suis prête. J'ai encore le goût de l'alcool de l'autre truc. Tu vas jamais dire, c'est au thé noir. C'est au thé noir mais également à la pêche. Je crois que j'ai encore le goût du rhum de... Ah ouais? T'as l'heure garçon. Et regardez du coup c'est dans la collection Dragon Ball. Et c'est bio, c'est bio. Et c'est bio. On va te donner du rhum blanc. Ouais, il est moins fort. Là combien? On va pas trop mis. Non ça va, je suis gentille cette fois-ci. De temps en temps. Ça fait plaisir. Allez, à moi. Ça. Oh, oh. Skittles Swimming. Je suis trop forte. Je suis trop forte, les gars. C'est pas de ma faute. Alors, du coup, sur le site, il existe énormément de choix d'M&M's. Et là, on va pas les tester, mais il existe aussi des M&M's au brownie. Si vous êtes fan d'M&M's et que vous voulez goûter vraiment des M&M's inédits, bah, vous savez où vous orienter. Oh, gros bon. J'adore. Ah, c'est ouais. Du chocolat intense à l'intérieur. Trop bon. J'adore. Ouais. Pour moi, c'est des. Oh, peanut butter. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, t'es trop forte. Qu'est-ce qu'ils sont gros? Lisa, que ça mord. Je suis trop forte. Bah, s'il y a des M&M's que vous devez goûter, vous allez manger ça. Ah oui, goûtez eux. Ah ouais, mais ça, vous allez kiffer. Attends, allez, on va prendre ça. Il est ouvert. Et alors? C'est toi qui l'as goûté? Ouais. Non. Et... Donc t'as goûté des trucs. Dans le cas, ouais. C'est pour ça que je connais tout. Non. Elle a triché. Bref, donc celui-ci, ok, donc c'est toujours M&M's. Oh. Et c'est ce goût-là. Ah ouais, ok. Oh. Alors en fait, au lieu de la cacahuète, il y a un truc qui colle un peu aux dents à l'intérieur. Ouais. Ouais. Brownie. Ouais. Non. Si en plus on a parlé juste à l'heure, c'est aux brownies, ils sont incroyables. Ça j'en ai énormément entendu parler sur TikTok justement. Mais non, c'est super bon. J'ai l'impression qu'en fait, un truc à l'intérieur qui ressemble à du bonbon. Mais c'est ce qu'ils sont durs en fait. Donc du coup là, ça a vraiment le goût d'un vrai M&M's. Alors que tout à l'heure, peanut butter c'était beaucoup plus mou. Alors ça c'est incroyable. Allez là, vas-y. Bon, je suis tombé sur un truc facile cette fois-ci. Ouais, ça. Oula, alors j'ai déjà testé. Autant vous dire que c'est super bon, mais c'est vraiment très très chimique. Pas de sucre. Ouais. En vrai de vrai, ça a simplement le goût vraiment de candy. Donc de bonbon, un petit peu même de chewing gum. Ouais. Donc bon, t'as perdu. Tu veux rhum ambré ou rhum blanc? Blanc. Blanc. Vraiment tu sais qu'à toi. Là j'en peux plus hein. Arc, on va être bourré. Vous êtes bourré. Bon là je vois qu'il y a plein de petits bonbons. Donc ça me donne envie de tester ce côté là. Oh, oh ouais. Alors j'ai l'impression que c'est aussi une nouveauté. C'est incroyable, regardez. Je trouve le concept génial. Ah, c'est trop bien. Oh ça a le goût de peanut encore. Cacahuète adore. Petit peanut butter. Et pour regarder, c'est en mode gaufrette. Donc sur le site, ils vendent des gaufrettes Reese's. C'est incroyable. Et j'ai l'impression que du fait que c'est en gaufrette, le goût du Reese's est un peu plus atténué. Ah ouais, c'est plus doux. Ouais. Parce que de base, le Reese's, c'est très très fort. Hein. Là, les amis, on va terminer avec chacun un article. Allez, sans. Des chips. Ils vendent beaucoup de chips sur le site. La meuf, il faut que tu devines. Parce que je pense pas que c'est compliqué à deviner quoi. Je me rends pas après, je sais. C'est la meilleure des marques américaines en chips. Ça a une vallée. Non. Comme vous juste cherchez. Fromage, fromage. Non, pas fromage. T'as une dernière chance, vas-y, tu redonnes. Bacon. C'est pas bacon, c'est pas fromage. C'est au peanut, donc c'est à la cacahuète. Oh, ouais. C'est nouveau en plus. C'est des tutos, c'est très connu, il y a plein de gammes différentes. Tiens. Oh, on a eu beaucoup. Non, ça va, franchement, arrête. C'est deg. Franchement, je jure, c'est hyper fort. Tiens, j'en peux plus. Berk. Bon, c'est parti, les amis. Dernier article à piocher. Allez, stop. On dirait des barres de Twix. Roté, c'est naturel. Commentez ça en commentaire si vous voyez que vous êtes vibré, vous êtes resté jusqu'au bout. C'est du Twix. Mm-hmm. Ouais. Mais le goût, j'ai l'impression qu'il y a un peu de cannelle. Non. Je sais pas. Déjà, si l'édition limitée, tu peux ouvrir tes yeux et c'est au spéculoos. Hein. Oh, ah ouais, moi j'aime pas trop hein, les chocolats spéculoos comme ça, j'aime pas. Et bah, tu peux voir, à toi l'honneur. Ouvre le bouchon. Là, en fait, elle est bourrée hein, avec tous les verres qu'elle a vu, c'est ça.
coup hein. Allez. C'est volé. Allez du coup pour moi dernier. Une boisson. Bon et bien les amis, c'est une boisson assez originale. Je ne connais pas du tout la marque. C'est la première fois que je vois et le goût me semble plutôt original. Donc à voir si Yolande reconnaît, parce que le goût c'est quand même un goût qui est assez fort et particulier, tu vois. Il y a deux goûts. Il y a deux goûts. Tiens. Merci. Alors ça quoi? Alors déjà c'est très bon, c'est sucré, c'est doux d'un côté aussi. Ouais c'est doux, c'est pas piquant quoi. C'est à fruits, soit à la pêche aussi je pense, non? Ouais il y a de la pêche. Oh il y a de la pêche. Et il y a un autre de la mangue. Non mais presque, on va quand même valider. Ça va être ananas et pêche. Et bah ça c'est super sympa, comme j'ai dit c'est très frais et c'est quand même doux malgré que c'est sucré. Ouais. Ça j'aime beaucoup. Ouais c'est sympa. Ouais, je suis quand même assez fière de moi, j'ai trouvé que ça a le goût de pêche, pourtant c'est hyper doux la pêche. Hein. Et bah en tout cas, on peut dire que la perdante, c'est roulement tambour, alors. Non, pas du tout. J'ai bu un petit peu trop d'alcool à mon goût. En tout cas, cette vidéo, les amis, elle touche à sa fin. Si vous kiffez ce genre de challenge et que vous voulez revoir l'or sur la chaîne, explosez le compteur de likes. Et surtout, n'oubliez pas mon code promo sur Miami Weekend Shop, c'est TWINS20, tout en majuscule. Voilà, faites-vous plaisir si vous êtes de couvent. En tout cas, connaissez-vous votre partie préférée? Moi, ça a été les Reese's gaufrettes. Ouais, Reese's, j'ai bien kiffé moi. Et les boissons. En vrai, les boissons, ça va. Les M&M's peanut. Ah oui, les M&M's peanut, très très bon. Ouais. Et les chips, ça va. Ah ouais. Par contre, ce produit-là, boule, chocolat, marshmallow, incroyable. Écoutez les gars, nous on vous fait à tous de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao.